Bonjour les gens, c'est Fabouliné et c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis à Aubenas et on a fait une décoration parce qu'on a un invité spécial qui va bientôt arriver. Je vais avoir la chance d'interviewer le Père Noël. Attends, vous voulez qu'on l'appelle ? Allez, on l'appelle. Père Noël ? Père Noël ? Oh oh. Ah, vous entendez ? Il est là. Père Noël ! Oh oh. Bonjour ! Bonjour Père Noël ! Bonjour tout le monde, bonjour ! Ah, c'est un plaisir de vous voir, franchement. Mais moi aussi, c'est un grand plaisir de vous voir, Fabien. Merci beaucoup. Très, très, très grand plaisir. Merci. J'apprécie énormément vos vidéos. Je les ai toutes regardées cette année. Ah, c'est vrai ? Oui. Oh, merci beaucoup, Père Noël, c'est oui, très gentil. Oui, surtout, continuez pour 2023. Ah ben, vous avez entendu, j'ai intérêt à continuer. Alors, Père Noël, excuse-moi de te déranger, je sais que tu es vachement occupé. Oui, mais ce sera un plaisir, Fabien. Alors, j'ai quelques questions à te poser. Oui. Alors, déjà d'une, est-ce que tu es prêt pour Noël, déjà d'une ? Alors actuellement, tout est prêt, les lutins fabriquent les derniers cadeaux, ils me les emballent, les mettent dans le traîneau, et moi je fais des photos avec tous les enfants d'Aubenas et les environs, ici à Intermarché, oui. Ah ben merci beaucoup. J'ai une question là, franchement, un peu plus technique. Comment tu fais pour différencier un enfant sage à un enfant pas sage ? Et en fait, en réalité, nous les différencions par l'amour et la bonté. Alors attention les enfants, le Père Noël sait tout. Je saurai tout jusqu'au bout. On reste ça jusqu'à Noël et bien sûr encore après. Ah ben ça c'est normal, tout à fait. Oui. Allez, une autre question. Comment tu fais Père Noël pour aller aussi vite pour distribuer en une nuit tous les cadeaux ? La magie de Noël et ça restera un mystère. Oh, c'est magique. Est-ce que tu as un dernier message à dire Père Noël avant de partir ? Oui. Dans cette période qui a été très difficile ces dernières années pour tout le monde, j'aimerais vous adresser à tous un beau message de paix. Oui, la paix. La paix qu'elle soit dans le monde, mais aussi dans les familles. Les familles qui ont été très durement éprouvées ces dernières années par ces deux années de Covid terribles que nous avons tous vécues, et moi également, bien sûr. Alors, ce Covid nous a rappelé une chose, c'est qu'il y a des personnes qui sont terriblement seules. Parce que Noël est avant tout la fête des enfants, la fête de tout le monde, mais il y a aussi beaucoup de personnes âgées seules, des gens dans les rues qui sont seuls. Eh bien moi, ce que j'aimerais pour ce Noël, c'est que plus personne puisse se dire, au moins ce jour-là, j'ai été seul. Alors ouvrez votre cœur, ouvrez votre maison et faites entrer un peu de chaleur dans votre cœur. Et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, des très belles fêtes de fin d'année. Et je vous aime. Merci Père Noël, merci pour ce beau message d'amour. Franchement, merci Fabien, merci Fabien pour cette belle vidéo. Et merci à tous. C'était Fabouliné, enfin là c'est Fabien qui vous parle plutôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire pour le dernier mot ? Allez. Portez-vous bien et bon vent. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci.